Bonjour à toutes, ici Sky Galaxel, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le 21e épisode de Pokémon X on the Judge Challenge. La dernière fois, malheureusement, on avait perdu Patchy. Et là, on a étourmi. Depuis l'Antiquité, les miroirs sont considérés comme des artefacts de grand pouvoir. Je vais utiliser ce pouvoir pour vous battre. Alors, ouais, on va continuer. Pourquoi j'ai passé cette dresseur-là? Parce que, bon, je vais me rendre le plus rapidement possible à l'extérieur. Et du coup, je vais passer. Alors, on va voir ça. Ah, c'est quand même la cinquième vidéo que je tourne d'affilée. J'essaie vraiment de m'avancer le plus possible. Bon, on est là, il nous manque. Et après, c'est clone. Non. Tira, on est au 29. Cringolim. On peut prendre Foxy. Ouais, il est bon, c'est bon. Point rond. Et voilà. On va tenter un. Le pouvoir du miroir a été brisé. Et ouais. Du coup. J'ai égaré ma chérie, oh là là. Ah mais c'est ça, je me demandais si c'était lui le fiancé. Double pied, putain, ça fait efficace. Et voilà, punaise. Ouais, niveau 30, c'est bon. Aucune chance de gagner sans ma chérie, voilà. Ouais. On va juste aller enfin lui finalement. Putain. Maintenant pour ça nous en plus. Ok. Vengeance. Putain. C'est vraiment pas efficace. Où j'aime pas.
chance encore. Et vous savez combien il faut avoir une chance. Plus ça va, plus 91, c'est mal. Dans l'eau. On fait un autre coup critique et... Non, pas pis seul, non. Au fil. Caractère, caractère, et pas hein. Défaite. Ok. Toi, guéris-moi. Putain. Passer. C'est bon. Tiens, toi aussi, prends part à notre bonheur. On est heureux, hein? On déborde de bonheur et ça se voit. Hein? C'est nous que ça se voit. Désolé. Ouais, tout dit. Même dans les défaites, je suis heureux. Moi aussi, je suis heureuse, mais enfin. D'accord. Faire. Ah, si, c'est quoi?
C'est sorti. Je vais te battre et remplir de joie le cœur de mes Pokémon. D'accord. Si tu veux. J'utilise toujours Raflé. Mais non, mais arrête d'utiliser Raflé. Morceau. Allez, d'un coup. Presque. Provoque. T'inquiète, je vais répondre. Je vais répondre ta parole. Quel but? On va changer. Parce que vous pensez que ça va être dans cet épisode-là qu'on va en évolution. Pourquoi ça risque pas d'être dans l'autre? Cool. Ah, Draco, ok. Alors, patience. Tout le monde, c'est cool. Les Pokémon sont tristes, c'est de ma faute. D'accord. Attends. Il y a quoi? Ok, non. C'est long, je me fais de carte là, mais c'est long, c'est quelque chose. Plaque terre. Ah, ici c'est quoi? Ah, Gerbelle. Je pense que ici c'est un. Comment t'appelles ça? Une méga version, mais vu que c'est disponible qu'à partir de 5h sur X et Y. Du coup, bon, on a fini. Cet homme qui se dresse dans la grotte miroitante, c'est un montagnard. D'accord. Mais qu'elle va chercher, on va sortir, t'as dit. Un barcouf.
Est-ce que va même changer? Double appui, oh non putain ça va. Ça m'a fait perdre ma contenance de maintenir vite un miroir. D'accord. Alors moi je vois si... Attends. Est-ce que j'arrive pas... De charge, charge avec 50. Comme ça, du coup. Et voilà. Et là, tu me soignes? Non. Ok. Il y en 13. Les pierres lisses et polies renvoient uniformément la lumière et c'est pour ça que les choses se reflètent. D'accord. Ah oh, mais putain, il y a rien de 13. Ok. Il faudra que j'entraîne petit. La pâte aussi étouffe bien. Et du coup, ouais. On va aller acheter des dépressions à part là. Ouais, c'est bon. Mais non, c'est pas ça. Dix. Oui, on va acheter... Et voilà. Du coup, ça fait 20 minutes, on va se laisser ici pour ce... cet épisode. J'espère que vous l'avez aimé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et puis on se retrouve très prochainement pour la suite de Pokémon X on the Slot Challenge. Allez, je vous fais des bisous, bye bye.